Super content quand tu vois 2R5 qu'ils ont inscrit. On pensait pas que c'était possible de venir devant eux, mais bon, on a déjà ce matin on a fait un beau départ, donc on a déjà un beau d'avance. Mais après la prime spéciale, on a eu un souci avec la boîte, avec la coupure de boîte, donc on a eu un peu compliqué, mais bon, on est ici. On gagne le rallye et ça, c'est le plus important. Parce que c'est une course, c'est un truc très amusant.
Pour nous, ça s'était bien passé, sauf que la première deux passages qu'on a fait, on était un petit peu gênés par une concurrente. Alors après la troisième boucle, on a essayé pour trouver une solution et c'était bien passé. Comme ça, on était plus gênés et on a vu que la troisième spéciale, on a fait le scratch. Et la dernière, c'était dans la nuit, aussi pas des conditions très faciles. Alors on a quand même essayé pour encore attraper beaucoup, pour encore aller mettre chaud pour Jonas, mais c'était trop tard. Globalement, après une sortie du Condro, ici ça se fait, le rallye se fait dans nos bâtiments, donc c'était un peu notre rendez-vous annuel pour le bar et tout ça. Et ici on avait l'occasion de rouler avec la Fiesta pour continuer à prendre l'expérience dessus. Et ça s'est bien déroulé, on fait troisième, quelque chose de pas mal. Et globalement, la course a été satisfaisante tout au long de la journée. Encore quelques rallyes pour la fin de saison? Oui, on est la semaine prochaine aux Crêtes. Et puis après les Crêtes, 15 jours après, on est au Spa Rally pour la finale du championnat de Belgique. Oui, c'est une belle course pour moi. C'est la première fois que 4 courses. 5 courses, je roule le finish, mais très content et oui, c'est bien. C'était pas trop gras ce matin? Oui, c'est très glisse, mais comme toujours, ce soir aussi, c'est glisse après le virage. Oui. On a fait une assez bonne course. Au départ, on se prend dans les pneus, les deux premières. Donc on part vraiment en glisse tout le temps, on ne fait pas des bons temps. Puis on change les pneus et ça marche tout de suite mieux. Et le rallye sprint, un chouette rallye, un peu gras au début. On te revoit quelque part cette année? Ce sera le week-end prochain au Crète. En fait, au matin, on fait une belle boulette dans la première, donc on perd pas mal de temps sur Geoffrey, qui lui était bien parti ce matin. Dans la deuxième, on fait quasiment le même temps avec Zeko. Malheureusement, il abandonne dans la troisième, donc la bagarre a été écourtée. Mais au final, on a déjà abandonné plusieurs fois ici, et je pense qu'elle fait plaisir, celle-là. Première boucle, on a fait attention, ça glissait faux. Et puis alors on a un petit peu augmenté le rythme petit à petit, et puis voilà. On te revoit au Crêtes? Ouais, normalement ouais, si tout va bien. Merci beaucoup. Oui, c'est clair qu'ici Villers, on est déjà venu quand même déjà quelques fois. Donc j'étais peut-être un petit peu avantagé par rapport à d'autres concurrents.
Maintenant, il y avait quand même Cuvelier qui était là avec son escorte, qui était quand même assez rapide. Maintenant, la chance que j'ai eue ici, c'est que bah, forcément, il fait très gras à Villers, comme à chaque année. Donc, bah, la chance a un peu joué pour moi. J'étais deuxième jusqu'à la deuxième boucle. Et puis, à la troisième et la quatrième boucle, bah, on améliore notre temps. Même si je suis gêné de la quatrième, un petit peu, enfin, je perds 10 secondes. Mais en fait, je garde quand même l'écart. Et voilà, victoire encore ici. Après, j'allais. Donc, c'est pas mal pour la deuxième rallye avec la voiture. Bon boulot de mon copilote. Et voilà, c'est tout. Donc, la voiture a bien fonctionné, le copilote, l'ambiance de la voiture. Donc, magnifique. On se revoit la semaine prochaine au Crète. Oui, bien sûr, bah justement, on venait rouler ici justement pour tester un peu les nouveaux pneus, les Yoko, hein, comme certains maintenant roulent avec. Et on est venu rouler ici justement pour pouvoir voir ce que ça donnait, pour pouvoir rouler aux crêtes. Et bon, les crêtes, bah voilà, c'est pas encore, c'est encore différent, c'est encore autre chose, c'est encore un monde différent. Donc on verra bien la semaine prochaine. Écoute, Hervé, ça a été bien. Un petit peu, on s'est demandé un peu où on était le matin parce que c'était pas évident de trouver de la motricité. C'est un petit peu pareil pour tout le monde. Mais sinon, une épreuve fidèle à elle-même, je vais dire. Hein. Ça fait quelques fois que je participe. C'était bien, ça a roulé toute la journée. Et voilà. J'en profite pour remercier mon copilote du jour, comme toujours, hein. Chaque fois différent. Et voilà, content de ma mécanique qui fonctionne bien. Et de bon augure pour la semaine prochaine au Crète. On est parti prudemment dans la première. Ça n'a pas payé du tout parce que les chronos étaient catastrophiques. Enfin, je me faisais mettre beaucoup de secondes tout de suite. Et bon, alors on est parti sur le mode glisse, amusement, spectacle, comme d'habitude. Voilà, on termine, les quatre boucles impeccables, grand travers, les vidéos seront là pour le montrer. Voilà, bien amusé. On se revoit la semaine prochaine. Oui, je vais terminer la saison en Crète, et je donnerai un coup de main au Sparalyre, en espérant que tout se passe bien pour fin d'année avec le Covid. Et voilà, après on verra pour la saison prochaine.